C'est jamais facile en fait. Non, c'est vraiment jamais facile de faire l'intro d'un jeu dans lequel on n'a pas encore été. Parce que j'aimerais bien vous dire que ce jeu est génial, j'aimerais bien vous dire que ça va péter de partout, j'aimerais bien vous raconter plein de trucs sur ce jeu, et en fait j'en sais absolument rien. Et donc aujourd'hui on va partir dans Kentucky Route Zero, un jeu d'aventure plutôt narratif. Il me semble qu'il n'y a pas un pet de dialogue audio dedans, mais ça n'empêchera pas qu'on va découvrir des tas et des tas de choses et qu'on va avoir une grosse, grosse histoire. J'en profite pour remercier au passage El Médoc, parce que c'est grâce à lui qu'on peut voir Kentucky Route Zero. Merci à toi, Doc. Vivement que les cheveux poussent. Allez, fini les conneries, on fonce dans le jeu pour voir ce qui m'attend, ce qui nous attend. Donc, Kentucky Road Zero, c'est une aventure qui se compose en 5 actes. Et on va commencer un petit peu par le début, les amis. Alors, il faut savoir que le jeu n'est pas tout neuf, malgré les apparences, puisque c'est une aventure qui a commencé il y a plus de 7 ans, où est sorti le premier acte. Et puis, ça s'est développé, puis il y a eu une grosse période d'arrêt. Et là, fin d'année 2019, paf, le cinquième acte est tombé. Ça tourne, qu'est-ce qui se passe? Trop pris, t'en as trop pris. Allez, on y va avant que ça dégénère. Alors, je sais pas si le doc a fait exprès de me refiler ce jeu, mais en tout cas, c'est bien vu parce que j'adore les histoires où ça parle pas et j'adore les trucs qui sont très stylisés. Et apparemment, on va être servi des deux côtés. Alors, c'est du bon vieux click and point and click, quoi, on va dire. On va regarder le camion. Alors oui, c'est très stylish, hein, c'est marrant. Alors, il faut savoir qu'on vous lâche dans l'aventure avec, pour seul indice, le fait de trouver le 5 Dogwood Drive pour effectuer votre dernière livraison avant une retraite bien méritée.
bah oui, on y voit bien mieux. Alors ça fait très old school hein, de pas avoir de dialogues qui sont clamés par des acteurs, mais paraît-il, ça fait partie du jeu justement. Et donc je suis débarqué dans une pleine partie de JDR, de la team JDR qui se reconnaîtra sûrement. Je peux pas aller plus loin. Bon, pas de coup de main pour le disjoncteur, c'est vraiment pas sympa ça les gars. Alors je clique un peu partout comme un malade, vous avez le curseur sur l'écran, ouais. C'est... Bon, soit. Je peux pas m'accroupir ou... Non. Par heure, 3 minutes par heure, je suis persuadé que ça fait un moment qu'ils y sont, les petits. Oh, Scheisen. Fourbe. Là voilà ma solution. Oh, la lumière. La lumière m'a trahi. Et il n'y a plus personne. Voyons voir. Et bien voilà une lumière qui est bien rétablie. Je suis fier de moi. Le jeu est en train de m'avertir de son fonctionnement, donc. Maintenant, il va falloir que je comprenne que il est pas si sympa, quoi. Pourquoi j'irai plus bas? Aucune raison. J'aimerais bien que tu montes, mon ami. Et du coup, j'ai raté le coucher de soleil, dame.
chaise, la mémoire musculaire. T'es optimiste, toi, parce que tu me connais pas en fait. Allons utiliser ce Macintosh 128. Peut-être boosté à 512 Kb de RAM, allez, ça va. Bim. Ça roule. Merci de t'en inquiéter. Je sais que je suis un boulet, mais quand même. L'arbre horrible toujours en feu. Ok, Macondo Lane. On va essayer de mémoriser ça. Okidoc, et bah partons à l'aventure. Merci papy. Allez mon chien, on y va. C'est bizarre parce que je fais des monologues et là je discute avec mon chien. Je crois que c'est la première fois dans un jeu vidéo où je discute avec mon clébard et qui me répond pas comme un vrai clébard. Let's drive and find this zero road. Non, j'oublie rien, on va y aller. J'ai une map. J'ai une map et je me balade comment? D'accord, je me balade comme je veux. Il y avait un accident là. Where was the crash? Here. Alors, c'est original hein, comme traitement. C'est original graphiquement parlant aussi. Il y a un pneu qui explose. Là. La démarche du chien est terrible. On sent le vieux clébard qui n'a plus que sa tête. Allez mon chien, cherche.
peux pas trop faire grand chose là. Alors ça me fait bizarre de retourner à cette époque où on cliquait partout sur un écran. Je vous garantis que, sans déconner, c'est une habitude que j'ai plus du tout. Qu'est-ce que je peux faire avec mon camion? Non. Pourquoi on me laisserait sur cet accident sans possibilité possible de possiblement faire des choses? Peut-être pour rien. Et du coup, j'ai complètement zappé l'adresse à laquelle je devais me rendre. Du coup, le jeu est vraiment bien fait. Il m'a déjà mis le bins avant même que ce soit compliqué. Allez, mon chien, on y va. Si j'avais retenu ce qu'il m'a dit, il y a un arbre, pourquoi on m'a pas fait voir l'arbre en feu? Je vais aller jusque là, tiens. Ouais, je vais quitter l'état après, je sais pas si c'est très intéressant. Perdu, monsieur K? Non. Qu'est-ce que c'est? Pas très envie que je regarde. Ok. Je pense que c'est là, je dois tourner à gauche, non? Jeter un oeil par là parce que je suis très curieux. On va aller là-bas. J'ai peut-être mes indices qui sont marqués là. Merci. Je suis passé à côté d'un truc qui aurait pu me manquer gravement. Allez au nord-est, sur la 65. Et tourner à gauche. Ok boss, elle est où la 65? C'est où l'est? Oui alors moi le est ouest tout ça, c'est un truc, j'ai un problème tout le temps, je suis un peu comme des filles. Non, totalement comme des filles en fait. Là ça doit être à droite. Je sais pas. Ouais c'est ça, la 65. Alors c'est rigolo parce que entre le style graphique particulier et puis la façon dont est géré les déplacements du joueur, ça me rappelle pas mal Oxenfree. Alors Oxenfree, si vous ne connaissez pas, bah, je vous recommande des streams qui doivent être parmi les vidéos. Je sais plus si j'avais créé une playlist pour ce jeu-là, parce que j'avais fait quelques sessions, mais j'avais eu un gros problème d'enregistrement. Et vous cherchez Oxenfree. Et vous trouverez un jeu qui vous rappellera un petit peu dans sa manière ben ce titre-là. J'ai pas vu de chouette.
C'est gentil de m'abréger ça. I'm the cable man. カラーデザインとボイス機能がついた本格的スターアドベンチャーゲームスターラスター。空想してから寝てください。スターラスター新発売。Alors, je me demande si les noms sur les tombes, il n'y avait pas le nom de sa sœur dedans. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. You got to walk. There's no one here.
La vieille mine, mais j'ai aucune idée d'où elle se trouve. Alors, c'est très difficile de streamer ce genre de jeu parce que c'est lent. Il se passe pas beaucoup de choses sur l'écran, puisqu'on en est à la limite revenu à l'Apple 2, où on avait des choix textuels, et puis on tapait 1 pour le premier choix, 2 pour le deuxième choix. Quand on ne tapait pas directement quelques verbes et sujets pour essayer de communiquer avec le jeu. Il y a un côté rétro dans ce titre qui est assez surprenant. On va essayer de trouver cette vieille mine. Ah, elle doit pas être loin. Mais la structure est identique parce qu'on a les trucs qui se mettent à tourner en boucle, les textes tournent en boucle tant qu'on trouve pas la bonne question ou qu'on a épuisé toutes les réponses. Donc c'est plutôt marrant. Il me fait tout le déroulé de la sortie. Une mine, il faut que je trouve une mine, les amis. Et donc je vais zoner sur la route. On the road again. Non, je ne chanterai pas car je sais que vous détestez ça. Alors là, j'ai une usine et là, j'ai un. C'est la mine. Alors, il y a des choses qui apparaissent, j'ai l'impression, au fur et à mesure. Et c'est vraiment le bordel. Ça va, mon chien. Alors, mon chien a un chapeau. Ok. Non, c'est rigolo parce qu'on fait les dialogues de plusieurs personnes, y compris des personnages qu'on n'a jamais rencontrés. Et on sait pas si c'est bien ou pas bien ce qu'on sélectionne en fait, du coup. Je vais rester vague. Le jeu est en train de se dévoiler. Donc du coup, on change de personnage. Et on mène pas vraiment les dialogues comme on l'imaginerait. C'est assez étrange.
Tu devrais rester là, mon chien. For nearly 20 years, the only way to visit the White House of Zork has been like this. That's about to change. Welcome home. Zork, Grand Inquisitor. The battle for magic begins. From Activision. Oui, ami viewer, c'est très très dur de montrer ce jeu parce que le streamer peut pas être expressif, il gâcherait l'ambiance, il peut pas parler tout le temps, il gâcherait l'ambiance, il peut pas chanter, surtout quand il connaît pas les paroles de Once Or Again. Et il se passe des choses. On va essayer le moins compliqué, ce serait mieux. Ah, oups. Là, je pense que je suis blessé. Ouh, on va jouer au Dr. Jones.
J'ai tenté, hein, naïvement. Oui, je vérifie régulièrement s'il n'y a pas un truc à cliquer autour quand on passe devant les différentes choses. Et à cette vitesse-là, on se fera pas choper par les radars automatiques, je peux vous le garantir. Oh, rien, j'ai pu voir un truc. Il y a bien du bordel dans cette mine. C'est un choix cornélien, comme on dit. Entre les eaux de la bête et le canot à rame, alors. Et donc on va peut-être pas tarder à se quitter pour cette session. Parce que je sèche un petit peu. Playlist, playlist, bouton d'abonnement, et on se retrouve bientôt.